de clôture du festival Euroquestrie en Charente-Maritime. Le festival a duré depuis le 3 août. Il y a eu 40 concerts pendant toute la période, sur toute la Charente-Maritime. 8 ensembles ont participé, donc 4 orchestres symphoniques, un chœur et 3 petits ensembles. Et tous ces musiciens réunis, ça fait 300 personnes qui sont de 6 nationalités différentes. Donc on a eu l'Espagne, la Pologne, l'Ukraine, la Russie et plus loin de chez nous, le Brésil et le Mexique qui participaient pour la première fois. Le violoncelle avec l'orchestre de jeunesse de Tepoztlán. Tepoztlán, c'est un petit village au Mexique. We are musicians. We can always like sing and play together, and it's gonna be the same thing. Like we have the same lyric, the same partitures, the sheet papers in music, and everybody understand that. So when we are singing together with the orchestra, we all go together, and when we're speaking with each other, it's a little bit difficult. C'est magnifique parce que, par exemple, il y a un chef d'orchestre espagnol qui s'appelle Angel, et il est merveilleux. Et c'est un plaisir de travailler avec lui parce qu'il a, son âme sur la musique, et c'est magnifique. We've been in a church from the 12th century, and it's so amazing to sing there. Because we feel like we're being embraced by history. It's really, really amazing to be here. La caractéristique du festival, c'est de mélanger tous ces jeunes pendant le festival pour qu'ils répètent tous ensemble pour le concert de clôture. Ça veut dire que tous les soirs, ils font un concert avec leur propre orchestre, donc le répertoire qu'ils ont travaillé tout le long de l'année. Et tous les matins, ils sont en répétition pendant 3 heures, tous ensemble, donc en mélange de nationalités, pour répéter un programme spécifique que vous entendrez ce soir au concert de clôture. L'idée a fait son chemin et beaucoup de pays organisent également des festivals orchestrés sur exactement la même charte, la même organisation, à savoir les répétitions avec tous les musiciens le matin, le partage avec le public, etc.